Maria Grazia ha voluto collaborare con l'artista Pietro Ruffo, che ha realizzato quest'opera, in particolare chiamata Rêve d'Infini. Pour le nouveau Lady Dior, Maria Grazia m'a demandé de faire un voyage dans l'inconnu. J'ai commencé donc ce voyage partant d'une mosaïque qui est sur le sol du jardin de Granville. J'imaginais un jeune Christian Dior qui, en regardant cette hausse des vents, rêvait de lieux exotiques. La technique que j'utilise est très simple. Un stylo bille et du papier. Mais je dessine beaucoup de dessins qu'ensuite je superpose pour avoir une composition finale. Cette composition a été prise par le studio de Dior et adaptée à la forme du sac. Quest'opera è espressa sull'intero perimetro della Lady Dior. La pelle viene bagnata per renderla più maleabile e poi lavorata appunto a sbalzo con degli attrezzi con punte metalliche, ognuna diversa dall'altra, per creare dei solchi, questo sbalzo appunto, che danno dei dislivelli, quindi creano più tridimensionalità al disegno. Di conseguenza questa è una tecnica realizzata sulla Lady Dior che è completamente artigianale, che impiega molto tempo per essere realizzata, ci vogliono circa 20 ore per ottenere tutta la superficie della Lady Dior lavorata in questo modo. Quand j'ai vu pour la première fois le sac, c'était une vraie merveille. C'est-à-dire imaginer les mains d'un artisan qui réalisait chaque ligne que j'avais dessinée sur papier avec la rose des vents centrales qui nous permet de faire ce voyage magnifique dans nos rêves.